Comme nous l'avons fait dans la formation précédente, créer un design d'intérieur au style isométrique, ici aussi, dans cette formation, modéliser une cabane en bois, nous allons vérifier, c'est une bonne habitude à prendre dès le départ, que de vérifier systématiquement à chaque démarrage de projet que les paramètres que nous allons lui affecter correspondent bien à ce que nous souhaitons en faire. Pour cela, nous allons aller dans Windows Settings Préférences, dans nos préférences ici, et ce que nous allons modifier, comme nous l'avions fait précédemment, c'est l'échelle. Ici, on va retrouver dans Settings, Working Unit, nous allons passer nos unités en mètres. Je rappelle que par défaut, chaque carré ici sur la grille correspond à 1 cm. Comme notre scène ici va être une scène d'extérieur assez grande, ça ne correspond pas à ce que nous souhaitons faire. Donc, je vais modifier ici mon échelle. Je vais passer en mètres. Je valide. Et de cette façon, je dézoome avec la molette. Je sais maintenant que chaque carré correspond à 1 mètre dans mon échelle de mesure. Pour notre projet ici, nous n'avons pas besoin de voir d'autres paramètres. Il est bien entendu possible de modifier certains paramètres en cours de création, lorsque l'on se rend compte que tout n'est pas optimal. Mais évidemment, en ce qui concerne l'échelle, c'est vraiment un des premiers réflexes à avoir que de vérifier que l'échelle sera correcte pour notre modélisation. Nous avons préparé notre scène, nous pouvons, dans le prochain chapitre, commencer la modélisation.